Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Code Vein où on avait trouvé la fin du niveau, la barre en haut, là où il y a l'ascenseur en haut à droite. Mais avant, on va aller donner le dernier élément là, le dernier dossier qu'on a demandé d'aller chercher. Ah, Kiyotsukero. Hop. Tu vois à quel point je suis Kiyotsukero. Ouais, je fais très très attention, t'inquiète pas. Puisque t'es parti pour te les faire. Meurs. Pas très grave. Oui, ces trucs dans les murs, on sait. Pour... le clébar. Kumao, qu'est-ce que tu fais? Je suis empoisonné. Pas très content. Oula. Dégagez là, tout ça. Et Kumao, aide-moi. Je suis mort, Kumao. Merci. Oula. Ah bah, je suis mort. Donc charger comme un âne, c'est pas la bonne solution apparemment. Très bien. Donc on va y aller avec plus de parcimonie. C'est clairement pas toi que je voulais taper. Excuse-moi Bob, hein, mais c'était Mireille et Bolivo que je voulais tuer. Ah, Bolivo, futur perso dans un JDR peut-être. Qui voudrait s'appeler Bolivo? Le mur m'a aidé, pour le coup. Bonjour. Alors, quoi? Dégage. Hey. Alors, il n'y a pas encore un clébard? Non? よし、回収できたな。資料はこの総督府内ありがとう。これは赤い霧についての調査報告書だな。シルバは赤い霧を形成するために自ら継承者となってその力を発動させてね。赤い霧を存続させる最大の意義は 閉じ込めた封印の力を外に出さないためだ。しかしシルバの力を維持するには膨大なエネルギーを使わなくてはならない。だから血税制度などを作り常に血を絶やさぬようにしなければならなかったんだ。赤い霧も血税制度も研究もみんな、シルバがレヴナントのためにしていたことなんだよ。 D'accord. Merci. Ok. Bon bah. Attends. Aïe, recule. J'aime ça. Vas-y. Voilà. Et alors, on va regarder de où c'est le plus près.
La deuxième pousse, elle est où? Elle est vraiment pas loin, la deuxième pousse. Ouais, j'ai l'impression que c'est la deuxième pousse qui est le plus près. Hop là. Hop. Téléportation, passerelle. Il est... Ça m'a l'air non plus, toi. Elle est... Ah bah non, en fait, c'est la première qui est le plus près. On va retourner à la première. J'ai du mal à comprendre la map, hein, quand même. Ça, c'est un gros, gros défaut du jeu, la map. La map est à chier. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Ok. Là. Et ensuite... Là, ensuite là, ensuite. Ah oui, ici, il faut prendre la deuxième porte qui est là. Normalement, eux, ils se réveillent pas parce qu'ils se réveillent quand on va après plus loin. Voilà, on va là. Là, on descend. Ensuite, là, tout droit vers la deuxième échelle. Ok. C'est pas loin, mais il y a un peu de chemin à faire quand même. Ok, et on est là. Ok, et là il y avait... Là il y a une porte qu'on peut pas ouvrir. Ah, ah, vu. Vu, vu, vu. Je peux rien faire. Ok, deux clés barres de mort. Vu. Vu ici. Ouh. Ok. Hop, là on n'avait pas été, on n'était pas retourné, donc on allait le faire, voilà. Ok, et là, ici, nous dit-on qu'il y a un passage, mais clairement. Voilà. Hop. Bon, là, il y a clairement le boss juste au-dessus, donc on va retourner à la save, à la pousse. On va se régénérer et on va aller faire le boss. Bon, après, il y a elle qui va nous demander de lui parler, de raviver les souvenirs, donc on va le faire. Combien il faut pour un niveau 17 000? On les a. Clairement, oui. 6, ça fait 18. Normalement, c'est bon. Il me manque encore beaucoup. Voilà, là ça doit être bon. Clairement c'était 138, on est à 145. Nous avons donc 6500 de trop, ce n'est pas grave. On a clairement pas 100 000 là. Clairement on n'a pas. Donc on avait dit par là. Ensuite là. J'apprends la route, hein. Là. Là, là, la porte. Ok. J'apprends la route, hein, parce qu'on va mourir contre le boss, c'est sûr. Ok. Ok. Ok.
À moins qu'il est là. Là, il va prendre l'ascenseur et il y aura une pousse juste après l'ascenseur. Il aura l'air d'un con. Ok. Parlons à la protectrice des idoles ici. C'est parti. J'ai tissé mon fil, moi, tu vas voir. Ah, bah. Ah, j'ai pas le C. Merde. Pas la voir alors. Ouais, bah tant pis. Je vais pas aller chercher. J'ai pas envie. Ah, ça descend. Ok. Ah oui, ça descend profondément. Très profondément. Il y a clairement une pousse en bas. Hein. Ils vont pas nous faire faire ce trajet-là 50 fois. C'est long. C'est les ascenseurs de Metal Gear Solid 1 quand on descend pour aller voir Metal Gear. Ah, nous sommes arrivés. Ah non, il n'y a pas de pouce. あなたの行いはこの地に再び災厄をもたらす。これ以上罪を重ねてはいけないのです。寄り添うだけでいいのです。それが 私たち伴侶の使命なのです。道を踏み外せば、いずれまた同じ過ちを。それは違います。確かに私たちは弱さから生まれた存在かもしれません。 一つとして同じ存在ではないのも確かなんです。ここまでたくさんの人たちの記憶に触れてきました。そこで多くの意思を見てきました。そこにいた人たちは皆必死にもがいていました。誰かのために精一杯 今を生きようとしていたのです。人であろうとレブナントであろうと関係なく、皆必死に。継承者の皆さんもたくさんのかわいそうなお姉様方たちも皆罪を犯すことを恐れ、偽りの使命にすがり、 C'est aussi ça être complète, c'est aussi ça être en vie. Oh, être en vie. イオ、確かにあなたの中には私たち伴侶とは違う何かがあるようです。いいでしょう。あなたたちに全てを託します。ですから
Doka. Minna. Skutte. Ah. Ah. Elles ont toutes disparu. Disparu, c'est Gérard Majax. Tobira no saki ni nani ga machi uketeru ka. Sa, ikou ze. Et donc on va devoir se retaper l'ascenseur à chaque fois qu'on va mourir, c'est ça? Si c'est ça, moi je vous mets en pause à chaque fois. Hein. Pas une petite pousse là? Parce que là il y a clairement un prison de sang stagnant. Bah non, là-bas là. Ouais. Donc là on est contre Silva, c'est ça? Nice! Et bah c'est parti. Ça a l'air d'être le boss de fin. On en sera à la fin, le dernier épisode, déjà? Déjà? Où il y a un boss avant? Il n'y a pas eu de boss pour le niveau d'avant, très bien. Écoutez, on verra peut-être un double boss là. Je ne sais pas. Deux épées. Il a une tête de loup. Il est musclé. Nous l'aimons. Fais-moi l'amour. D'accord. Ok. Tout va bien se passer. Ne nous inquiétons pas. Roi squelette. Ok. Olé. Il fait 400 de dégâts, ok. Ok, il saute. Il fait beaucoup de dégâts. Intéresse-toi, Yakumo, s'il te plaît. Il a l'air assez lent, by the way. Qu'est-ce qu'il fait? Out. Très bien. Il a pris que 300 de dégâts, ça fait pas beaucoup. Ok. Merde. Merde, j'avais pas vu qu'il faisait un pouvoir. Il a de la vie. Bon, c'est pas le boss de fin, je pense pas. Ok. D'accord. Aïe. Je crois que j'ai pas activé l'activateur de régène d'ailleurs. On a chopé. On a chopé un d'objet, je crois que je l'ai pas activé. Il m'abuse. Oh, les coups à retardement, ça m'énerve. Hein? D'accord. Ah.
kiffé. J'ai clairement pas demandé ça à mon perso, mais il l'a fait quand même. Je sais pas pourquoi il a reculé. J'ai pas demandé de reculer à mon perso, mais il l'a fait. Très bien, on était pas loin. On était pas loin au first try. Attendez. J'ai pas activé ça. Voilà, en plus 6. J'ai certainement pas tous, hein. Le plus 6, plus 9, ça me paraît pas normal. Enfin, pas tout à fait logique. Ok. Je peux rouler, merci. Faites un coup. 115 de dégâts. Pourquoi? Hein? Sur moi. Reculé, bordel. Je suis en dessous. J'esquive, mais ça va pas esquiver. J'esquive mais ça n'esquive pas parce que tu n'as pas la distance. C'est un petit peu chiant. Oh, okitaka. Ok. Et avec la petite. Je crois que je fais plus avec la petite qu'avec la grosse. Clairement.
instant, très bien. Je me fais tabasser. Je me suis fait tabasser gratis. Le cibler, je peux plus le cibler. Ah mais il est mort. D'accord, tout va bien. Un boss de plus. Il était moins téléportation que l'autre, donc c'était un peu mieux. On comprenait un peu mieux ce qu'il faisait. Un peu rien qu'à la fin, c'était un peu le foutoir. Masaka, Shingai ga Silva no seigyo o ushinatte. Dou shita no minna? Shingai ga Silva ni hiki oseraneru. On a peut-être pas dû venir. Est-ce que c'est un jeu de merde comme Elden Ring? Quand on bute la phase 1, on a la phase 2 derrière forcément. C'est pas la question. Elden Ring est très bien. Oula! Moi j'ai pas envie de l'affronter moi. Ça sent le boss de fin ça. C'est une sale gueule. Personne a l'impression qu'elle avait... Elle était en train de se faire étouffer. Je peux sauvegarder avant, s'il vous plaît? Je voudrais sauvegarder et monter de niveau avant d'affronter le boss de fin. Immaculé. D'accord. Il fait du dégât. D'accord. Et on n'a rien. On n'a pas de ressources. Pas ciblé. Ça, ça pue. Voilà. Je
peux pas le cibler, ok. Mais je fais 41 de dégâts, t'es sérieux? Il est où? Ça va être chiant comme fight de merde. Voilà, là on est dans le bon fight de merde là. Un truc que je veux voir, voilà, je meurs. Et est-ce que je dois affronter le roi squelette? C'est ça la question. Parce que là on est dans, quand même dans le bon fight de merde. Où est-ce qu'on est direct? Non, on est directement à l'Immaculée, d'accord. Ok. Parce que là on est quand même dans le bon fight de merde. Question, c'est ça? Non. Non, j'avais disparu. T'as pas le droit de me taper quand je disparais, c'est interdit. Disparition. Gérard Majax. Bon, on est dans le fight de merde. On est dans le fight de merde. Par excellence. Bon, à la base. On va améliorer nos armes et notre armure. Alors, après, je sais pas ce qu'il fait comme dégâts, donc il fait du physique, ça c'est sûr, mais 400 de dégâts quand je le tape, ça me paraît très peu. Et je ne sais pas à quoi il est résistant. Mais bon, ça a l'air d'être le boss de fin, donc... Normalement, on devrait y arriver. Yokatta, nani ga atta no? Ooki na jishin ga okita to omottara, isshun akai kiri ga kieta yona ki ga shite. Omake ni, kiita koto mo nai yona otakebi ga kikoete kite. Écoute, c'est nous, on va le taper. Améliorer une arme. Voilà, ça je peux l'améliorer. Voilà, au niveau 10, donc c'est le niveau max. Ça c'est au niveau max également. C'est ça que je porte. Allez, hop, tu sais quoi? On s'en fout. Ok. Transformer l'équipement, transformer une arme. Ça je pourrais lui mettre des trucs en plus. Attends. Ah, ça c'est de la merde par contre. Par contre ça, est-ce que ce serait... Ouais, je sais pas. Oui, les cartes, tout ça, tout ça. Alors, 100%. Voilà, et 1, 2, 3, 4, 5... On a 5 à faire. Ça, ça doit être des DLC par contre. Écoute, oui, on essaye de s'occuper de Silva, mais il est fort. Il est très très fort pour le coup. Il est très 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 fort. Voir si ça change quelque chose, hein. Sinon, farming, hein. Et
100 de dégâts quoi. Je lui fais pas de dégâts. Pourquoi je lui fais si peu de dégâts? D'accord. Mon pouvoir est parti complètement aux fraises. Je vois rien. Merci. D'accord. On comprend rien. Bon, son attaque là, multi-bombardement là, comment on l'évite? On voit pas où ça va tomber. Faut être en dessous de lui, mais si t'es en dessous de lui, tu vas te prendre les attaques. Enfin, je sais pas, tu vas te prendre ses pattes. C'est très bizarre, le boss est nul. Pourquoi le boss de fin est nul? Pourquoi le boss de fin est nul? Le jeu? Le boss de fin, c'est censé être génial. Ça va être l'apothéose de la fin de Takahite. Ça va être de la merde. Je sais pas où il est. Boss caméra quoi. Le fameux boss caméra des Souls-like en last boss. Très bien. C'est vrai qu'on avait pas encore eu le boss caméra. Un peu déçu hein, de ne pas l'avoir affronté le boss caméra. Je dois bien vous l'avouer. J'aime tellement les boss caméras. Je vois rien. Boss caméra, c'est le boss que tout le monde aime, évidemment. Vous l'aimez vous aussi, chez vous. N'hésitez pas à voter pour le boss caméra. Donc c'est-à-dire que le boss de fin, ça va être un boss frustration. Je vois rien. C'est ça, d'accord. Donc le boss de fin, c'est le boss je vois rien. Très bien. Le boss frustration. Je comprends pas ce que tu fais. Je sais pas qui tu es. Je vois rien. Je peux pas sortir de sous ses pattes, putain! Pardon.
pour éviter ses attaques, t'es obligé d'être sous lui. Mais une fois que t'es en dessous de lui, tu peux pas sortir. On aime ça. Évidemment, chez vous aussi. Votez pour lui. Tu peux pas l'esquiver. D'accord. Donc cette attaque-là, tu peux pas l'esquiver. Et si tu le cibles pas, tu peux pas balancer de sort. D'accord. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Merde! Son bombardement, voilà. Ah oui, d'accord, 47. Tu peux pas sortir, putain, de ces putains de pattes de merde! D'accord! Il a une attaque rayon laser qui prend toute la map. D'accord. Très bien, très bien, très bien, très bien. Le boss, frustration, caméra, on t'attendait, on t'aime, boss caméra. Et pourquoi des fois je fais 47 et des fois je fais 150 000 de dégâts avec la même attaque? D'accord. Je vais me laisser. Voilà. Je peux pas les prendre, d'accord. Regardez, là je fais 500. Donc là c'est du bon dégâts. Vous pouvez pas sortir, hein, évidemment, parce qu'il y avait ces putains de pattes de merde. Super. Tu vois rien, putain. Je vois rien. Je peux pas sortir, je suis mort. Pourquoi tu es un boss de merde? Le boss de fin, c'est un boss de merde, sérieusement? Mais pourquoi vous avez chié le jeu? Pourquoi vous chiez le boss de fin, sérieusement? Le boss de fin, tu dois pas le cibler, mais tu dois le cibler quand tu fais des sorts, quoi, sérieux. C'est tellement débile. Ils l'ont testé leur boss de fin ou pas? C'est à se demander, hein. Ok, tu tapes dans le vide. Comme ça. Vraiment rien. Vraiment n'importe. Lâche-le. D'accord. Je peux plus me soigner. Ah oui, d'accord, je suis à zéro. Enfin, je peux rien faire.
vois rien. Kyakumo. Frustrant. C'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant, le boss est nul. J'aime pas ce boss de merde. J'aime pas... Non. Ah putain. Mais arrête de faire n'importe quoi le jeu. Arrête de jouer tout seul et laisse-moi jouer. C'est tout ce que je te demande, voilà. Arrête de faire n'imp. Putain. Ce jeu, c'est vraiment... voilà, ce boss, c'est de la merde. Voilà, ce boss, c'est de la merde. Voilà, c'est un boss frustration. Ça va être un boss de merde, où tu vas galérer, où tu vas rien voir, et où, encore une fois, tu vas le battre parce que tu n'auras pas compris comment tu vas faire pour le battre, c'est-à-dire les trois derniers boss du jeu, c'est ça. Les trois derniers boss du jeu, je ne comprends pas quand je les bats. Je veux dire, voilà, tous les autres boss, ils sont bien, mais les trois derniers, c'est de la merde. Le boss fantôme, là, le roi squelette, je sais pas quoi, là, il est mort, je sais même pas pourquoi il est mort. Le chevalier de la reine ressuscité, il est mort, je sais pas pourquoi il est mort. Et là, lui, c'est pareil, il se téléporte, il bouge, il saute, il fait des bombes sur toute la zone, tu peux pas les esquiver. Voilà, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, arrivé un moment, quand on t'enlève 2000 points de vie, quand t'as 2500 points de vie, on t'en enlève 2000 parce que tu fais une explosion sur toute la zone, que tu peux pas éviter, c'est un peu abusé, quoi. Non, je m'en fous. Ah oui, d'accord, c'est limité à 6. D'accord. Merci. 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 Ouais, donc on peut acheter des titanes, des fers et tout à l'infini. Mais alors, les régénérateurs, est-ce qu'on peut les farmer? Je pense pas, hein. J'ai 12 000 reliques. Je peux recevoir quoi avec toi? C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Très bien. Et tout ce que tu donnes, c'est de la merde. Ouais. Ouais, t'en as deux, quoi. Ah, ok. Fais de la merde. Ouais. Ouais. Ok, c'est bien. Qu'est-ce que tu donnes, toi? Ah, tu peux donner une arme. D'accord. Il y a deux régénérateurs, attends. Je sais pas ça. Nicolas a beaucoup de demandes. Point d'échange 6.
merci. Pas ça? Ouais. お前、俺もくそのせな。ええ。外に出るときはいつでも言ってくれ。 On est parti pour encore affronter le boss frustration. Tout va bien se passer. Alors. Il y a d'autres armes où je serais rapide. Hein. La glace, je suis pas sûr. En fait, je sais même pas s'il est sensible à un élément ou pas. どの武器を強化したい? Le temps de farmer des aciers maintenant, chier. En termes de dégâts, mais lui fait beaucoup plus mal. Enfin, il fait plus 2. Mais je peux améliorer le glaive. Oui. On est d'accord que le glaive fait beaucoup plus de dégâts, c'est ça que tu es en train de me dire. Je perds du feu, mais si je gagne 800, enfin 200 de dégâts, mais que j'en perds... Alors par contre, après, je suis lent. Enfin, je suis normal, quoi. Okay, je passe jamais en... Je passe jamais en rapide, ok. Ok. On va voir, hein. On va essayer avec le glaive normal, hein. Glaive de base, hein.
J'ai joué pas mal de temps avec. Si je fais plus de dégâts, je fais plus de dégâts, hein, j'ai envie de dire. Allez, à nous deux, boss de merde. D'accord. Ça commence bien. Mais comment il peut me toucher avec ses pattes avant alors que je suis sous son cul? Bordel de merde! Putain! Boss de merde! Boss, tu comprends rien à ce qu'il fait! Boss frustration! C'est chiant les boss de fin comme ça, parce qu'en fait, t'as le jeu qui monte, il monte, il monte, il monte, et les derniers boss, c'est de la merde. Pourquoi? Franchement, pourquoi les devs vous faites ça? Pourquoi vous décidez que votre boss de fin, c'est de la merde? Sérieusement? Moi, le boss de fin, c'est de l'apothéose, quoi. Enfin, c'est le boss, les gens, ils ont envie de le refaire. Là, le boss, c'est de la merde. D'accord. Tu comprends rien? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain de bordel, je te vois pas, je comprends pas ce que tu fais. Arrête. Fais des trucs normaux. Mais des trucs qu'un humain comprend, hein. Pas une machine, je suis pas une machine, je suis un humain. Ça j'ai compris, voilà, ça je comprends. D'accord, ça je comprends aussi, il fait des proutes. Ça ok. Ça hop, la magie, voilà, voilà. Tu vois, quand tu fais des trucs que je comprends, j'arrive à t'esquiver, j'arrive à te combattre. Là ça me fait plaisir. Je comprends rien. Ok, là il faut dégager. Ok. Ok. Tu coupes là, ok. Ok, roulade. Ça, comment on l'esquive ça? Je sais toujours pas comment on l'esquive. Hein. Là, tu coupes la caméra. Il saute, tu vois rien. Je vois rien, je sais pas où il est. Merde. J'étais en dessous. Je peux pas sortir à cause de ces putains de pattes de merde. Tu es soigné là? Pourquoi j'ai pas été soigné? Ça m'a pas donné de soin. Très bien. C'est quoi ça? Ok.
peux pas l'esquiver. Plus de soin du tout. Je vais pas mourir à cause de ça. Mort à cause d'une attaque inévitable. Mort à cause d'une attaque inévitable. Alors qu'on le tenait et qu'on l'avait tué. Putain de bordel de merde, attaque inévitable à la con. Pardon. Excusez-moi, c'est l'émotion. D'accord. J'aime ça. C'est faux. Je voudrais rouler. Je peux pas. J'aime ça. Là, je mérite de mourir. D'accord. Là, je le touche pas, tu vas me dire. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Tu es un boss de merde. On a compris. On a compris que t'étais un boss de merde. Merci. Non, mais là, si je meurs, c'est pas grave. Hein. Merci. Là, je méritais un. Hein, voilà. Le boss. Le boss de merde. Boss de merde. Boss de merde. Boss de merde. Et là, je vais m'acharner, hein, parce que comme je sais que c'est le boss de fin, clairement, on est au courant que c'est le boss de fin. Donc là, je vais m'acharner pendant 3 heures pour le tuer. Voilà, donc vous allez peut-être avoir un épisode de 8 heures, juste pour tuer un boss de merde. Frustration de conneries de couilles. Voilà, là j'ai appuyé. Hein. J'ai appuyé clairement sur esquive, mais elle est jamais partie. Et je comprends pas pourquoi je lui fais pas de dégâts. Bordel de merde, d'explosion à la con. Je suis un boss de merde. J'aime ça, je suis le boss de fin, je suis un boss de merde. Sérieusement, mais sérieusement! Mais putain! Bordel. J'arrive plus à avancer, je suis énervé. Mais là, je vais pas arrêter l'épisode là. Je sais que ça fait une heure, mais je vais pas arrêter sur le boss de fin et relancer l'épisode sur un nouvel épisode sur le boss de fin et la cinématique de fin. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Allez. Et j'arrive plus parce que là, je suis frustré. Je suis frustré parce que c'est un boss de merde. Clairement, c'est un boss de merde. Rouler, mais j'ai jamais pu rouler. Hein. J'ai peut-être plus d'endurance, mais hein? L'esquive qui n'esquive pas, ça c'est pas mal. Ça on était pas mal là-dessus. Le sort qui fait 0 de dégâts, on était pas mal également dessus. Bon là je suis mort, remort, donc c'est bon, on s'en fout des âmes. Mais le coup de je fais un sort, ça fait 0 de dégâts, ça, littéralement. Hein. Littéralement 0 de dégâts. Arrête, arrête de cibler. Ça sert à rien contre ce boss de cibler de merde. Parce que le ciblage, c'est de la merde contre ce boss, d'accord. Le boss caméra, quoi. Je vois rien, putain! Je vois des pattes. C'est ce que je vois. D'accord. Arrête, arrête. T'es où? Je te vois pas. Des cibles. Je l'ai touché quand même, je sais pas pourquoi, mais je l'ai touché. Ok. J'ai demandé une roulade et j'en ai parti. Ah, punaise! Il fait combien d'attaques? Mais t'es sérieux?
je suis un boss de merde. Le boss de merde. Il faut que je comprenne, hein, que c'est ça qui nous a clairement tué tout à l'heure. Voilà, encore une fois. Et c'est ce qui nous a fait perdre le fight, hein, cette attaque. D'accord, donc tu vises la tête, mais tu tapes les jambes. C'est particulier ton truc, Jacqueline. Hein ? Arrête ! Merde, encore ce sort. Je sais toujours pas comment on fait pour l'esquiver. Bon, après, par contre, c'est le festival parce que il est affaibli. Pas mal. D'accord. On prend rien. Qu'est-ce qui se passe ? Yes ! Putain de boss de merde ! Putain de boss de merde, il est mort. Pas un troisième boss de fin quand même. Yes. あまり時間がない。シーリー、持ちこたえられるか。私が何者であったとしても、たとえ
この器でしかないとしても、この心の中に埋め尽くされたあなたとの大切な思い出が消えることはありません。私はいつでもそばにいます。あなたが私の心の中にいるように。ですから、さようなら。Oui, vous allez me dire, entre sa poitrine, elle a de la place. Ça me dérange pas, moi je peux y aller aussi, hein, y a de la place. On tous nous les montrer comme ça? Maybe I was made so I could.
Ah, c'était ça la cinématique de fin? D'accord. Très bien. J'aurais peut-être attendu un truc un petit peu plus. Voilà, bah, c'était très joli, hein, mais... Et là, ça nous renvoie au... au menu principal, vous savez, à la fin. Hop, voilà, fini, en mode... Et là, ça, c'est la fin qu'on a choisi pour vous. Non, t'es sérieux? Je viens d'entendre le bruit. Deux, tu peux continuer à jouer. Alors, il y a eux, oui. On peut pas sauvegarder rien. D'accord. Bah, go. Et qui es-tu? これも全てイオのおかげね。 彼女が全ての侵害を引き受けてくれた日、気がつくと私は元の姿に戻っていた。侵害の力を引き継いだイオは今も血流を生み出し、さらには赤い霧さえも維持してくれている。だから彼女が守るこの世界を少しでも当たり前の生活ができる場所にしたい。そう思ってるの。 今後は、カレンと二人でレブナントたちの上を抑制する研究を始めようかと思っているの。すぐ結果は出ないかもしれないけど、きっとこの霧の牢獄内を住みやすい状態にしてみせる。ルイも参加してくれればいいんだけどね。侵害の暴走を止め、イオが血流の体重へと返事てから数年、姉さんたちとの研究により、 血流の安定供給のめどが立った。それからずっと考えていた。レヴナントとして何ができるか、そして外の世界や化け物について。赤い霧が消えた時に傍受していた外界の無線、その解析結果は人々の助けを求める声であふれていた。俺たちはレヴナント、人類の天敵だ。 外の世界にさらなる苦難が待ち受けているのは想像に難くない。だが俺は諦めたくはないんだ。体からブワーって力が抜けていって、でっかくて強かった体が一気に小さくなっちゃったからさ、今はジャックに弟子入りして体を鍛えてるんだ。最近は ミアともあんまり会えないけど、離れてたっていつも近くに感じてる。きっとそれはお互いを尊重してるってやつだと思うんだ。ちょっと寂しいけど、僕はナイトだから。 Qu'est-ce qu'on me dit de faire là? D'accord. の願いにより、血類の大樹として定着し、クイーンとして復活する気配もない。どれほどの思いがそれを成したのか。私たちは侵害の力をなくし、ただのレヴナントに戻ったけど、使命はこの胸に変わらずに存在しているわ。この命続く限り、 私はあの力の行く末を見守り続ける。ジャックと共に。血類の大樹だが、特に異変もなく正常に活動を行っている。安心するといい。何かあれば俺の全存在を使って止めることを誓う。そろそろお前も自分がやりたいことをやればいいだろう。 感謝という使命はなくなったが、俺にはこの世界を維持し続ける義務がある。外の世界にこれ以上の地獄を吐き出さないためにも。最近はここらも大分落ち着きを取り戻してきて一安心してるよ。またルイが頭を悩ましてるけどな。まったくお前らも欲張りだぜ。 なんとか実現した今、ここの平和で満足してればいいのによ。まあ、
俺はお前らの選択に従うだけだ。好きなようにやればいいさ。今日は八雲に一緒に臨時総督府で働かないかって誘いに来たんだけど、見事に振られちゃったよ。すまねえが、お前にやりたいことがあるように俺もやりたいことがあるからよってね。まったく相変わらずなんだから。私も最初は総督府なんかで働く気はなかったんだけどね、食いぶち目当てで戦っているうちに気がついたら仲間が増えてね、いつの間にかどっぷり所属することに。まあみんないいやつだから後悔はしてないよ。まだまだ人類生存権の脅威となるロストは多いが、ようやく申請した臨時総督府も軌道に乗り始めた。シルバを中心に少しでも多くのレブラントを救うための改革を進めているところだ。ようやく俺も本腰入れて真相の探索に力を入れられそうだ。お前たちにはいろいろと協力してもらった、ありがとうよ。おっと、そうだ、言わなきゃならねえこと忘れてたよ。臨時総督府は皆様の参加をお待ちしております。やりがいのある仕事に興味があったらぜひ総督府の受付まで。だから伊予からもらった琥珀色の血類は大事にしてる。あれは伊予の思いのかけらであり力の結晶だ。取り扱いには十分に注意しなきゃだね。カレンさんたちが言うには、全ての侵害を引き受けたイオによってもたらされた血類の大樹と同じ成分で、若干だけど侵害の力に干渉する力があるみたいなんだよね。だか？この吐き溜めみたいな場所も少しはマシな吐き溜めになってきたかもしれないね。そのせいで人の足元見てた私の商売は上がったりだよ。冗談さ。とりあえずあんたは悩まずに好きなことをやんな。だけ？あれからいろいろと大崩壊時の資料を漁ってみたんだけど、見れば見るほど当時に現れた化け物の恐ろしさが分かったわ。最新の現代兵器が一切効かない。今霧の牢獄にあふれているロストとは似て非なる不死の存在。なぜレブナントという存在を生み出さざるを得なかったのか、その事情の一端が理解できたわ。あんな化け物が未だに外の世界には闊歩していて、そのために苦しんでいる人たちがいるのね。D'accord, on a parlé à tout le monde? Et maintenant? Ah, la porte! On pouvait pas l'ouvrir avant cette porte. Bon, cette porte. Voulez-vous quitter la base pour sortir? Vous ne pouvez plus revenir ici. Ah! Mince. Le jeu continue. Enfin mince. C'est très bien. Mais je ne vois pas comment il pourrait continuer le jeu. On a battu le boss de fin. Donc en fait, c'est l'histoire de Yoplait. Bon. C'était nul.
出ていくのか。外の世界へ。まあやっぱそうなるよな。一人で行こうとしたところは感心しないが。一言声をかけてくれたっていいのに。仲間でしょ、私たち。Eh, ça voudrait peut-être dire qu'on pourrait avoir un 2 un jour. Oh, ce sac. 4 fois plus lourd qu'elle, je suis sûr. Un joli tatouage, by the way. C'est dans le monde. 俺たちレヴナントが歓迎されることはないのかもしれない。だが忘れてはいけないんだ、俺たちが何のために生み出されたのか。俺はクルスの意志を継ぐ。お前がイオの意志を継いだように。C'est la fin! Mon dieu, on a fini le jeu! Alors moi je vais vous laisser avec les crédits, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, allez bye bye! Might on their own, just how many fates do we have?
They say I'm heartless, but I don't care. The way